Yo l'équipe, c'est Sang, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Également, activer la cloche de notification pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo, c'est vraiment super important l'équipe. Donc comme je peux voir au titre de la vidéo, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter, 3 glitches qui vont vous permettre de vous téléporter dans des endroits donc dans lesquels d'habitude on n'a pas le droit d'aller. Donc par exemple, on aura le droit grâce à cette vidéo de se rendre dans un hôtel. Vous allez voir qu'à un moment donné, on aura une téléportation qui va nous permettre de rentrer dans un hôtel. On aura également une téléportation qui va nous permettre de rentrer dans un bâtiment qui se trouve à côté de la Maze Bank Tower. Et également, on pourra rentrer dans le Comedy Club. Vous allez voir que franchement l'équipe, c'est super bien. Donc ces activités, donc vous allez voir qu'il faudra télécharger 3 activités. Ces 3 activités ont été créées par Smiley Glitcher, si je me rappelle bien, donc de sa chaîne. Et donc sa chaîne, bien évidemment, se trouve dans la description. Donc l'équipe, je vous invite à vous abonner, parce que je vois que vous êtes plusieurs à regarder les vidéos mais pas être encore abonné à la chaîne. Donc n'hésitez vraiment pas, super important, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. On va directement passer avec le premier glitch et donc encore une fois les 3 activités donc pour vous TP se trouvent dans la description. Donc là pour le premier donc glitch, c'est un glitch qui va vous permettre de rentrer dans un hôtel. Donc l'activité, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour rentrer dans l'hôtel se trouve dans la description. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer l'activité qui va se trouver sur la carte. Avant tout, avant de vous rendre dans votre session, vous allez devoir vous mettre en mode de visée libre. Et ça sera exactement pareil pour les 3 autres donc glitch de téléportation. Donc vous vous mettez en mode de visée libre, vous allez dans votre session, vous lancez l'activité. Une fois que vous êtes dans les paramétrages de l'activité, vous allez devoir rejoindre une personne qui aura un mode de visée différent du vôtre. Donc ça peut être un ami, comme ça peut être via une communauté. Une fois que vous avez rejoint la personne la première fois, vous allez rejoindre la personne une deuxième fois et vous allez refuser le deuxième message qui vous dit que le mode de visée est différent. Et là, regardez, on a bien été TP, donc dans l'hôtel. Si le deuxième message que vous avez est identique au premier, ça veut dire que vous avez rejoint une personne qui aura le même mode de visée que vous. Et donc à ce moment-là, vous allez devoir chercher une autre personne. Donc franchement, l'équipe, c'est super simple et ça va être exactement la même manipulation pour tous les TP que je vais vous présenter dans la vidéo. Donc toutes, entre guillemets, tous les wallbreaks que je vais vous présenter dans cette vidéo-là, ça sera grâce aux téléportations d'activités. Donc là, dans cette vidéo, je vous présente 3 activités, mais je peux vous en présenter encore d'autres. Donc si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire un maximum dans les commentaires. Donc là l'équipe, moi je vais vous montrer la manipulation pour les 2 autres wallbreaks, mais je vais pas tout vous réexpliquer à chaque fois comme c'est exactement le même. Vous allez dans l'activité, dans les paramétrages de l'activité, on rejoint une personne avec un mode de visée différent, on accepte le premier message, on refuse le deuxième et le glitch est terminé. Donc nous l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde!